Salut à tous la famille, c'est Vaud Galoza. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Jour de Coupe. Après vous avoir fait vivre Lausanne IB dans la peau de l'arbitre du match, Luca Cibelli, je vais aujourd'hui vous faire vivre un tout autre point de vue. Aujourd'hui, on est en Valais, comme vous pouvez le voir, avec un magnifique soleil. C'était pas le cas quand je suis parti de Genève. Et on va passer à quart de finale de Coupe Suisse avec Barthélemy Constantin, fils de Christian et directeur sportif du FC Sion. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Jour de Coupe. Le match qu'on va vivre ensemble aujourd'hui opposera le FC Sion donc et le FC Lugano dans un contexte super particulier. Parce que ça va vraiment pas fort pour les Valaisans en ce moment. Pas de victoire en championnat depuis octobre. L'entraîneur Fabio Celestini a été écarté et c'est donc les Constantins qui seront sur le banc ce soir. Vous comprenez donc qu'il y a des choses qui vont pas forcément être possibles, qui étaient prévues et qui seront pas réalisables. Mais sinon, si on met de côté justement ce contexte, le FC Sion, ça rime évidemment avec Coupe Suisse. 13 finales pour 13 victoires avant 2017 et une défaite face au FC Bâle. Quand on entend Coupe Suisse, c'est forcément le FC Sion qui ressort. C'est une religion. Ici en Valais, il y a une vraie soif d'un nouveau titre, surtout dans cette période compliqué et j'ai hâte de voir ça. Donc on va aller rejoindre Barthe et le FC Sion dans l'hôtel où ils sont à Martigny. Et on se retrouve tout à l'heure. Barthe, merci de m'accueillir ici en Valais, c'est un plaisir pour moi. Je voulais te poser deux trois questions. Toi, tu es directeur sportif maintenant du FC Sion. Qu'est-ce que ça implique, cette fonction? Toi Dylan, écoute, avec grand plaisir qu'on t'accueille ici en Valais, déjà cet après-midi à l'hôtel où se retrouve l'équipe et ce soir au stade de Tourbillon. Alors pour revenir à ta question par rapport à la direction sportive, on doit faire beaucoup de choses et surtout dans un moment comme celui-ci, comme tu le sais, c'est un moment vraiment particulier dans le jour de ta venue en Valais avec Fabio Celestini qui a été mis en vacances le dimanche soir et la prise en main de l'équipe par le président. C'est une période, un match qui est différent, qui s'aborde pas la même chose et la préparation est différente. Toi, tu as grandi dans ces succès du FC Sion en Coupe Suisse. Qu'est-ce que ça représente toi en tant que Valaisan, la Coupe Suisse? Non, c'est quelque chose d'important. Le succès de 2009 et 2011, je l'ai vécu en tant que supporter, en tant que petit garçon qui rêvait du FC Sion et qui voyait son club de cœur remporter des trophées. J'ai eu la chance en 2015, de pouvoir la gagner la 13e, qui était vraiment une coupe particulière. Et j'ai eu le pire des sentiments et le pire des sensations en 2017 contre le FC Bâle, exactement à Genève. Comment toi tu gères le fait de travailler avec ton père qui peut être plus ou moins proche du club? Non, il a fallu trouver l'équilibre juste aussi entre nous. On a eu plusieurs périodes de turbulence pour trouver la balance ensemble. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on a trouvé la bonne balance et maintenant il faut continuer de travailler pour pouvoir avoir du succès. Et ce soir, comme tu l'as dit, il sera sur le banc. Entre toi et moi, c'est un bon coach ou pas? J'ai déjà pu vivre des matchs avec lui. Donc pour des personnes, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau parce que c'est quelque chose que depuis une dizaine d'années, depuis que je suis au club, on l'a déjà vécu. Mais les fois qu'il l'a fait, il y a eu des bons résultats. Alors à nous de continuer ce soir. Et c'est pas un coach qui va parler de tactique ou tout ce genre de choses, mais c'est un coach qui va partir sur le management, la motivation et qui va aller chercher de la quinta au fond des joueurs. Moi, je te remercie pour ces petites questions. Je te propose qu'on s'approche du match, que je te suive dans la mesure du possible avec ce contexte bien sûr particulier. Avec grand plaisir, on va t'ouvrir quelques portes de tourbillon, et si on peut t'ouvrir d'autres portes ici dans nos bureaux ou dans nos locaux, s'il y a quelque chose qui vient d'avoir. C'est gentil. C'est bien. Merci beaucoup et on y va. À tout à l'heure. Je quitte Martigny et je me rends à Sion, au stade de Tourbillon. À l'approche du match, j'ai pu assister à la collation d'avant-match. Pas forcément d'atmosphère tendue au sein du groupe. Assez tranquille, on va dire.
On se retrouve au stade de Tourbillon dans un cadre idyllique. Le stade est pas forcément des plus beaux, mais l'environnement, le contexte, Valère et Tourbillon qui sont derrière moi, les Alpes, au cœur de la vallée du Rhône, c'est vraiment des conditions parfaites pour un match de foot. Et on va gentiment se rapprocher des joueurs du FC Sion qui arrivent. On est à une heure et demie du début du match. Je voulais te demander qu'est-ce que ça implique d'être directeur sportif avant un début de match. Non, c'est une implication, il faut être là pour, faut être là pour les joueurs, il faut pouvoir les encourager, garder la motivation à niveau. Si d'un coup ils ont un petit doute ou il y a des petits détails qui peuvent pêcher sur, sur la préparation de match, donc il faut, faut être près d'eux, les accompagner jusqu'à la partie. Bah voilà, bah on va gentiment se plonger dans le match et puis je te dis bon match et à toi. Magnifique, merci beaucoup. Le match est vraiment tout bientôt. J'ai mon petit gilet ici. Il y a l'écran de la VAR. C'est la première fois que je suis devant un écran de la VAR au jour de coupe. C'est vraiment c'est intéressant de voir, en fait c'est la télé qui s'occupe de ça, qui font tous les réglages, ils sont en train de l'installer, c'est intéressant de voir ça. Le stade commence à se remplir gentiment, on va aller suivre l'entrée des joueurs. Début du match à Tourbillon, comme vous avez pu le voir, Mario Balotelli sur la pelouse. On a aussi Willian Cyprien, ancien joueur de l'OGC Nice. Moubanje, Renato Steffen, des joueurs internationaux. Il y a du beau monde, il y a du beau monde sur le terrain. Christian Constantin sur le banc, c'est aussi un événement. Donc c'est vraiment un match particulier ici à Sion. Comme vous pouvez le voir, les ultras de Sion qui boycottent le début du match, qui sont absents du centre de leur tribune. De Lugano qui sont juste là, que je vais éviter bien sûr de filmer, mais il y a une particularité, c'est qu'il y a les fans de Servette et de la section Grenat qui est présente avec Lugano, donc par moment on entend des chants genevois en français avec les supporters de Lugano. Cette scène qu'on vient de vivre, la faute non sifflée sur Mario Balotelli, elle est assez symbolique avec les deux Constantin, le père et le fils, qui s'excitent, qui sont sur le banc les deux, et cette scène est vraiment forte. Vous l'entendez, le public, c'est du noir derrière moi qui fait énormément de bruit. C'est vraiment mon type de scène dans le jour de coupe, mes plans que je préfère. La mi-temps approche et je vais aller poser quelques questions à des supporters. Alors, la première question que je veux vous poser, c'est que vous, en tant que fan du FC Sion, qu'est-ce que la Coupe Suisse, ça représente pour vous? Alors, pour moi qui suis valaisan, la Coupe Suisse, c'est un symbole, c'est les 13 étoiles, ça nous fait rêver. Jusqu'au 25 mai 2017, ça a représenté l'invincibilité et toute l'histoire, mais depuis, il n'y a plus cette même magie. Mais ça reste quand même, il y a un seul petit truc en plus. La coupe, c'est des souvenirs avec mes parents, avec mon père, des souvenirs d'enfance, des beaux souvenirs à la Planta, avec toute la ville qui sort pour fêter les titres. C'est un mythe, c'est quelque chose qui pendant des années. C'est la légende. Ouais, c'est une légende. Jusqu'en 2017, où c'est un peu tout foiré. Mais c'est vrai que c'était, on savait en général, on arrivait en finale, il y avait le 12e homme et tout se jouait là, quoi. La seconde question que j'ai, c'est que ce soir, Christian Constantin est sur le banc. C'est quoi votre avis?
Et pourquoi pas. À voir. Il n'y a peut-être que lui pour mettre des, on va dire, des pieds au cul aux joueurs. Je trouve ça aberrant, je trouve que c'est pas sa place. Mais vous pensez pas que c'est justement c'est pour donner un... Alors ça va peut-être avoir l'effet pour un match ou deux, mais de toute façon c'est pas la solution durable. On va dire que ça me surprend pas, c'est Christian Constantin quoi. C'est aussi un peu du jeu d'acteur, mais après je pense pas que ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Début donc de la seconde période, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu m'approcher de l'équipe, pas pu m'approcher de Bart. Une nouvelle fois, dû au fait qu'il est assistant et non directeur sportif. Donc voilà, j'ai dû m'adapter. Le match a recommencé, sont une nouvelle fois se créent des occasions. Ouverture de la marque à la 61e minute par Lugano qui prennent l'avantage. On va pas dire logiquement, tant le match était disputé. Et voilà, il faut bien qu'une équipe marque. Allez, les Lugano, le score est salé, les tribunes commencent à se vider. Logiquement, c'est la soupe à la grimace pour les Constantins, pour tout le FC Sion. Fin du match ici en Valais, victoire 3-0 des Luganais, les champions en titre qui poursuivent leur aventure en demi-finale. Ils sont là, ils célèbrent avec leurs supporters qui ont fait le déplacement. C'est sévère pour Sion. Alors il n'y a vraiment aucune excuse. Je répète, on s'est entraîné vraiment comme des fous. On a préparé ça le mieux qu'on pouvait. Maintenant c'est une situation difficile. Non, c'est clair, c'est toujours mieux quand nos supporters sont derrière l'équipe. On a besoin d'eux, mais après je me mets à leur place. Les supporters payent aussi leur ticket. Vous l'aurez compris, avec la défaite 3-0, très compliqué de retrouver Bart et même d'avoir des interviews à la fin du match qui étaient totalement prévues. Mais voilà, il y a des imprévus, surtout dans ce genre de situation. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce quatrième épisode de Jour de Coupe vous a plu. La vidéo de base devait être vraiment différente avec justement le fait de suivre Bart dans sa position de directeur sportif. Avec le contexte très particulier, ça a été différent, j'ai dû m'adapter. J'espère que ça vous a plu quand même. J'ai essayé de changer un petit peu tout en restant dans l'esprit de Jour de Coupe. C'était un plaisir pour moi. Je remercie tout de même le FC Sion et la famille Constantin, particulièrement Barthélémy, sans qui cette vidéo n'aurait pas été réalisable. C'est un plaisir d'être accueilli ici dans le Valais, que ce soit à Martigny, à Sion, à Tourbillon. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et on se retrouve pour le prochain épisode de Jour de Coupe. Tout bientôt. Bisous la famille.